Salut à tous! Je vais vous présenter ma tenue Multiland et mon équipement. Vous êtes actuellement sur le sommaire pour accéder aux parties qui vous intéressent le plus. Vous retrouverez dans la vidéo des liens pour accéder directement au matériel que je présente. Plutôt que de commencer classiquement en vous présentant mon matériel du haut vers le bas comme on peut le voir souvent, je vais plutôt suivre la logique et vous présenter mon équipement en même temps que je le porte sur moi. Et donc à chaque étape, je vous ferai une petite description de ce que je porte. Donc on commence par le treillis. Alors c'est un treillis de marque Defcon 5 avec un camouflage Multiland. Donc le Multiland est un camouflage italien, ce treillis équipe certaines unités italiennes. Ce camouflage est extrêmement efficace dans le sud de la France, et donc comme vous pouvez le voir, le treillis est de coupe ACU, donc c'est une coupe relativement classique, mais très efficace. Le pantalon dispose de plusieurs poches, donc on a les poches classiques là, pour les cuisses. Après ici, on a des grandes poches cargo, plutôt grande, avec ici un système de réglage pour les ajuster au niveau de la cuisse. Voilà. Donc personnellement, je n'utilise pas trop parce que j'aime bien être assez à l'aise. On a aussi une poche ici qui sert à mettre du menu matériel. Bon, moi je n'en sers pas spécialement non plus. On a sur les deux genoux des poches pour mettre des genouillères. Donc on a également ici un réglage pour venir resserrer le bas du treillis. Donc on a la même chose des deux côtés. Et derrière, donc on a deux poches sur les fesses, mais que je n'utilise pas non plus. Et on peut voir aussi que au niveau des coutures, donc c'est plutôt bien fait, hein, une très bonne finition, c'est bien renforcé, il n'y a pas de risque de déchirure. Et le tissu est vraiment très résistant. Donc c'est plutôt un très bon pantalon. Pour le haut du corps, j'utilise un t-shirt tactique, toujours de marque Defcon 5. Donc il est assez technique ce t-shirt. Donc au début, moi j'étais très sceptique sur l'utilité de ce type d'équipement, donc avec un tissu très léger, très fin. J'avais notamment peur de prendre plutôt cher avec les billes. Mais honnêtement, une fois qu'on l'a essayé, on peut vraiment plus s'en passer. Donc pourquoi il est si exceptionnel? Parce que notamment, ce revêtement permet une très bonne diffusion de la transpiration. Et notamment derrière, avec un tissu, donc je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le voir, mais qui est encore plus transpirant. Donc c'est vraiment excellent. Et en plus, comme j'ai la chance d'habiter dans une région assez chaude, même l'hiver, hein, je peux le mettre sans aucun problème. Et si vraiment il fait très froid, j'ai une veste donc qui reprend exactement les manches, mais qui ici dispose du camouflage répété. Donc c'est une veste classique. Alors après, en bas du t-shirt, ce qui est génial, c'est qu'il y a un élastique qui fait tout le tour du t-shirt, ce qui permet de bien le maintenir. Il n'y a aucune chance qu'il puisse remonter en cours de partie et donc gêner. Ça, c'est excellent. Et sur les manches, donc vous pouvez retrouver hein, ce qu'il y a sur les manches habituellement. Donc là, on a des portes stylos, on dirait, ou peut-être des portes lumière, j'imagine. Là, on a des poches pour pouvoir mettre des coudières. Et on a la fameuse poche sur les épaules. Donc là, en fait, on en a plusieurs. On en a une ici, une là. Et ça suffit largement. Donc on peut même glisser ça à l'intérieur pour libérer une poche. Et du coup, en fait, le seul reproche que je ferais à ce t-shirt, c'est que les poches sont trop grosses ou alors mal placées, ce qui fait que quand on n'a pas des bras de muscle, ça fait une espèce de grosse plaque rigide, pas super visuelle, mais à l'utilisation, ça gêne absolument pas. Alors, le dernier petit point à voir avec ce t-shirt, c'est qu'il faut faire extrêmement attention à cette matière, car elle déteste le velcro. Donc je vais vous montrer tout à l'heure, mais j'ai une ceinture notamment en velcro, Defcon 5 également, si vous avez le malheur de faire rentrer en contact le t-shirt avec du velcro, hein, que ce soit du velcro des poches ou de votre gilet, ça peut faire des accros. Donc moi pour le moment j'ai eu beaucoup de chance, ça fait un peu plus d'un an que j'ai ce t-shirt et j'ai réussi à l'épargner complètement des accros, donc il est encore nickel. Mais faut faire attention. Donc ça c'est un t-shirt que j'ai acheté chez SES Tactical, et il coûte une quarantaine d'euros. Voici la veste. Donc comme je vous disais, hein, c'est
À peu près la même chose que le t-shirt tactique. Donc on a exactement les mêmes poches, ici, ici et ici, donc avec les mêmes défauts, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que là, cette poche est vraiment trop grosse, donc c'est vraiment assez moche. Mais bon, ça gêne pas. Par contre, donc, ici, elle est entièrement camouflée. Il y a deux poches sur les côtés, donc pour ranger que vous avez arrangé. Moi, comme j'ai le gilet par-dessus, je ne mets rien, forcément. Vous avez, bien entendu, des petits velcro pour mettre votre pseudo. Donc la loterie intégrale donc, qui s'achète chez SS Tactical fait dans les 90 euros environ. Donc le mien a quand même plusieurs années, 2-3 ans je pense. Et je lave très, enfin je lave pas très souvent, mais je le lave à froid la plupart du temps. Et comme vous avez pu voir jusqu'à maintenant, les couleurs sont plutôt bien, elles ont bien tenu au lavage. Donc une bonne tenue dans le temps, et surtout depuis toutes les parties que j'ai faites, il est encore intact, hein, il tient largement le coup. Donc dernière chose sur cette veste. Donc, par défaut, les fixations se font avec des boutons. Personnellement, je déteste ça, je trouve ça extrêmement old school. Donc comme j'ai la chance d'avoir une femme qui fait de la couture, je lui ai fait poser une fermeture éclair, ce qui est beaucoup plus pratique. Et donc je comprends pas pourquoi ils ont pas fait ça de base, hein, surtout que tous les treillis modernes sont comme ça, il doit y avoir une raison j'imagine. Mais en tout cas, voilà, sachez que ça se pose très facilement, hein, y a pas de grosses difficultés, et surtout ça vous changera la vie si jamais vous avez cette veste. Pour tenir le tout, comme je vous disais, j'ai voulu une ceinture. Quelque chose de camouflé, hein, qui reprenait le même camouflage. Defcon 5 en propose une justement. Donc c'est une ceinture multiland, hein, également. Et elle a la grosse particularité d'être recouverte de velcro. Donc comme ça, elle peut s'ajuster exactement à votre morphologie. Et écoutez, elle est très agréable à porter. Donc le gros avantage, c'est qu'ici, il n'y a pas de boucle de ceinture. Donc quand on fait des mouvements, qu'on se baisse, qu'on veut bouger, eh bien on n'est vraiment pas gêné par quelque chose qui va vraiment vous pincer, vous serrer. Donc voilà, après le gros avantage de cette ceinture, c'est aussi que pas cher du tout, hein, elle fait dans les 10 euros, donc toujours sur SES Tactical. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment excellente. Pour les chaussures, j'ai bien entendu souhaité prendre quelque chose de correct, hein. Donc des Simili Rangers, car vu notre activité, jouer en basket est plutôt suicidaire, je trouve. Donc j'ai pris ces Rangers Gen 2 de chez Miltech, donc que j'ai acheté chez Phoenix Airsoft pour 60 euros. Donc là, ma paire a environ 3 ans maintenant, 3-4 ans je crois. Et comme vous pouvez le voir, elles tiennent plutôt bien dans le temps. Donc ce qui est excellent, c'est qu'elles sont très confortables, hein, on dirait des chaussons. On ressent vraiment aucune lourdeur, elles sont très légères. C'est tout mou à l'intérieur, c'est vraiment génial. Après, les seuls endroits où ça commence un peu à s'abîmer, c'est au niveau là, du tissu qui commence un peu à s'égratigner. C'est très léger, mais bon, ça commence, voilà, on voit que ça commence un petit peu à s'abîmer, mais ça tient encore largement la route. Et on peut aussi constater que on a un excellent grip avec ça, très peu de chances de glisser. Et oui, pour finir sur les chaussures, donc si vous les voulez, Miltech a sorti en fait une Gen 3 de ces chaussures, une nouvelle version, avec je crois qu'il y a un zip sur le côté pour pouvoir les enfiler plus rapidement, mais sinon elles ont l'air d'être relativement identiques. Donc voilà. Moi les miennes je ne les changerai pas en tout cas. Pour les protections des genoux, donc comme je vous ai dit, il y a des poches ici. Moi au tout début, j'ai essayé comme tout le monde le tapis de sol, mais honnêtement, même en doublant l'épaisseur, c'était pas génial. Et après, j'ai essayé des espèces de protections un peu plus professionnelles, hein, que j'ai un peu retaillé pour que ça rentre. Donc c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus confortable, mais le problème c'est que on se trimballe ici avec une énorme plaque bien rigide, ce qui ne me plaisait pas non plus. Donc j'ai choisi d'investir dans des genouillères, voilà. Des genouillères, encore une fois, un Defcon 5, Multiland.
Donc j'ai lu un peu la description, donc ils disent que c'est ultra absorbant, ultra enfin, transpirant, ça permet de bien aérer le genou, etc. pendant l'effort. Bon honnêtement, moi quand je joue, hein, ça m'empêche jamais d'avoir les genoux, enfin d'avoir une sensation de chaleur hein, sur les genoux, ça c'est sûr. Mais après c'est pas spécialement gênant. Donc bon la fixation est assez simple, hein, très classique, mais elle tient très bien. Voilà, on les insère comme ça. Ici, on peut les régler donc avec des velcros. Donc, il faut pas trop les serrer, sinon forcément, ben, quand on joue, ça va finir par faire un point de compression et c'est plus que désagréable. Mais en l'état, en tout cas, c'est excellent. Ces protections, elles font dans les 20 euros, hein, toujours chez SAS Tactical. Moi, ça fait peut-être un an que je les ai grand maximum, mais je les ai achetés d'occasion, du coup, elles ont déjà servi avant. Et bon, on voit que la partie, la coque est un petit peu usée. Mais honnêtement, moi, je m'en fous, et puis ça tient encore très très bien. Alors, pour la solution d'emport du pistolet, j'ai essayé plusieurs différentes méthodes. Donc, au début, donc sur le torse, hein, dans une plaque molle. Après, à la ceinture. Et aucune de ces deux solutions ne me convenait, puisque sur le torse, quand j'épaulais ma réplique, j'avais quelque chose d'encombrant à ce niveau-là, c'était gênant. Et sur la ceinture, quand on veut saisir, donc après je sais pas si ça fait ça pour tout le monde, mais pour moi oui, ben là, quand je veux dégainer, ça me fait une tension et c'est très gênant. Donc ben, j'ai suivi un peu le mouvement de ce que j'ai vu et je me suis décidé à prendre un holster de cuisse. Le voici. Donc c'est un holster à rétention de marque IMI que j'ai fixé à l'aide d'une ceinture et qui s'attache avec des simples sangles. C'est toujours un peu sportif à attacher sans se coincer un morceau de peau. Et une fois installé, ça tient très bien, et notamment par l'utilisation de cette ceinture. Car si, comme vous voyez souvent, vous mettez cette fixation à votre ceinture de pantalon, vous allez sûrement passer la moitié de la journée à vous remonter le pantalon parce que ça va vous tirer, ça va tomber. Et en fait, si vous regardez un peu ce qu'ils font dans les westerns, ils ont souvent une ceinture à laquelle ils attachent le holster directement. Ce que je fais également. Et en fait, du coup, on peut voir que si on tire, et ben, ça tient très bien. Et du coup, avec ce holster, moi j'ai choisi d'utiliser un PX4. Donc voilà, très bien, très peu de jeu, qui s'enlève facilement. Et aussi pour un peu de roleplay, donc une sorte de petit couteau. Je me suis fait un petit système homemade, comme on dirait. Voilà, pour mettre le couteau directement ici. Puis si jamais j'ai envie de faire un autre vocal, juste à l'enlever. Donc là, c'est une lame en plastique souple. Donc ça ne risque rien. Donc ce holster m'a coûté une quarantaine d'euros hein, avec la plateforme de cuisse compris. Donc c'est une reproduction, hein, je l'ai pris chez Herzog. Et le couteau avec sa protection a coûté une dizaine d'euros. Pour le gilet, donc j'utilise un Raccoon Harness de Defcon 5. Donc ici, monté en mode chest. Cette petite merveille coûte environ 130 euros de mémoire. Donc il y a une dizaine de poches pour les chargeurs. On peut en mettre sur les côtés. Ici. Là, ici et encore sur les côtés. Donc, bon, sur les côtés, honnêtement, c'est pas super pratique. Hein. Je pense pas que qui que ce soit puisse vraiment mettre des chargeurs là. Par contre, sur les quatre poches de devant, c'est idéal. Donc, on peut mettre deux chargeurs de M4, enfin type M4 par poche, ou un chargeur de G36, ou pour mon utilisation, un chargeur de SMG8. Donc niveau emport, c'est vraiment idéal, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis de toute façon, tout le gilet est recouvert de
de passe en molle. Donc si jamais vous voulez rajouter des poches, hein, il en existe toujours en camo multilingue, donc on peut faire des empilages hein, jusqu'à ce que vous soyez enceinte de chargeur si vous voulez. Après donc le gilet est vendu avec toutes les poches que vous voyez là. Donc on a ici une poche drop chargeur ou fourre-tout selon ce que vous en faites. Donc c'est plutôt pratique, hein, on peut la laisser ouverte comme ça, fermée comme ça. Là on a deux petits serrages si on veut bah, plus ou moins serrer l'intérieur. Et bah, quand on peut la laisser ouverte, rabattre et elle reste fermée. Et puis quand on veut définitivement la remonter, on la plie et là ça bouge plus, c'est parfait. Donc on a une poche radio, donc deux poches pour les pistolets et une poche admin hein, où on met un peu ce qu'on veut, donc, téléphone, couteau, mouchoir, ce que vous voulez. Donc recouverte de passe en molle ici aussi évidemment. Pour le haut du gilet, on a donc une poche ici pour mettre ben, un chargeur de PA ou un bébé loader. Là, on a une petite poche. Et tout en haut, on a une autre poche, donc la poche admin, où ben moi par exemple, je mets tout ce qui est pansement, compresse, on va dire un peu le côté médical. Sur les épaules, des petits renforts et comme ça, des petits pads qui permettent, une fois que le gilet est bien chargé, eh ben, de ne pas être gêné. Donc à l'arrière, en bas de chest, on a une ceinture qui permet, quand il est chargé, ben, si on se penche, le gilet ne bouge pas, ce qui est parfait. Et ben, comme je vous disais, donc là il est en mode chest, mais ce qui est génial avec ce gilet, c'est que quand on l'achète également avec une plaque dorsale, donc je vais vous montrer ce que ça fait, qui permet ben, d'être entièrement équipé et de pouvoir fixer quelque chose dans le dos. Et voilà, donc en 5 minutes et quelques, on peut passer du mode chest au mode intégral, donc avec une plaque derrière qui contient des passes en molle et du coup alors une plaque balistique hein, qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc c'est vendu avec un espèce de renfort, hein, c'est pas une protection par balle ni rien, c'est juste un renfort donc qui peut être à l'avant ici et à l'arrière. Donc là j'ai enlevé celle de l'avant hein, pour que ce soit plus souple, plus flexible, plus agréable. Par contre à l'arrière, si jamais je l'enlève, honnêtement c'est pas très pratique, enfin j'aime pas, c'est pas très agréable. Donc là, avec cette configuration là, en gros on a les sangles là, qui se mettent en haut et c'est tout aussi bien, on est plus protégé derrière, sauf que ben voilà, l'été avec la transpiration forcément ça surchauffe un peu dans le dos, mais bon voilà, on faut choisir entre protection et chaleur. Comme ça, moi j'aime bien aussi, hein, de toute façon, j'utilise les deux selon la période. Et on peut du coup mettre un sac ou tout ce qu'on veut, hein, une poche molle, une poche hydro, voilà. On met ce qu'on veut à l'arrière, du coup, comme ça. Ce qui est idéal. Donc là, moi, mon gilet, ça fait pareil, un 3-4 ans que je dois l'avoir. Quelque chose comme ça. Il n'a pas bougé d'un iota. Pourtant, je rampe, je cours, je saute dans les ronces, il s'en fout. Quelques petites, voilà, peut-être quelques petites coutures, je sais pas si on va bien voir. Il commence un petit peu à s'effilocher, honnêtement, c'est vraiment rien du tout. Et en plus, comme c'est du matériel bah, militaire, c'est un vrai gilet, bah, il est vraiment indestructible, ce qui est excellent. En ce qui concerne les protections, on va commencer par les lunettes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des lunettes donc assez classique que j'ai acheté chez Airsoft pour une quinzaine d'euros. Donc je vous entends déjà hein, oh là là, 15 euros des lunettes chinoises, c'est sûrement de la merde. Ben pourquoi pas, hein, j'ai voulu faire le test. Du coup je les ai achetées et ben, finalement hein, je les trouve plutôt pas mal. Donc en fait quand on les achète, il y a ici des fixations qu'on peut enlever pour changer les branches. Donc on a une espèce d'élastique pour le tour de tête. On peut retirer ici, je ne sais pas si on voit bien, l'espèce de manchon en plastique qui permet de faire une bonne aération. Et bien sûr, elles viennent avec plusieurs verres différents, enfin verres, plusieurs lentilles différentes,
Donc, bah, j'ai fait un test, hein, tout simplement. J'ai pris la réplique la plus puissante que j'avais, je l'ai mis aux alentours de 400 FPS, et j'y suis allé gaiement, directement face à la lentille, en semi, en full auto, donc pas sur cette lentille-là, bien sûr, mais sur une autre. Et bah, elle n'a pas bronché. Donc, bah, si ça supporte largement 400 FPS à la 0,25, bah, je me suis dit, allez, pour moi, c'est OK, ça passe. Donc, bah, c'est validé pour moi. Et donc du coup, hop, quand je la mets, voilà ce que ça donne. Donc elle tient une très bonne tenue. On peut régler derrière avec le petit manchon en plastique la tenue, donc ça c'est parfait. Et bah, ce qui est pas mal non plus, c'est justement ces lentilles. Donc les lentilles jaunes, si vous avez jamais essayé, je vous les conseille vraiment, faites un essai. Et l'avantage, c'est que dans les zones un peu foncées, la forêt, etc., ou les recoins un peu ombragés, ça va vous faire ressortir tous les éléments un petit peu sombres, beaucoup plus simplement, comme si vous étiez en plein soleil. Donc c'est pas de la triche, faut pas non plus exagérer, mais c'est vraiment vraiment beaucoup plus pratique. J'ai essayé les verres transparents, les verres fumés, et à chaque fois, bah, je suis obligé de revenir à ces verres-là qui sont excellents, que ce soit pour le séculier ou la forêt. Alors protection toujours, comme vous le savez, hein, à l'airsoft, la tête est très exposée. Donc vous avez plusieurs solutions, des bandanas, des casquettes, des masques, des casques, il y a plein de trucs. Bon, moi, je voulais pas faire un gros casque, hein, je préférais la casquette. Donc avec des petits pins pour personnaliser le tout. Ça c'est mon petit socle pour l'enregistrement des vidéos. Hop, voilà. Donc c'est une casquette Defcon 5, toujours achetée chez SS Tactical. Et qui coûte, si je ne me trompe pas, une dizaine d'euros. Voilà. Donc elle est très classique, mais très agréable à porter, elle est légère, c'est une casquette. Protection toujours, bien entendu, il faut jouer avec des gants. Donc moi j'ai choisi ces gants. Donc c'est des gants Folgore de chez SS Tactical. Donc Defcon 5 toujours. Donc ces gants, je les ai depuis peut-être 2-3 ans et ils coûtent une cinquantaine d'euros. Alors 50 euros, oui, vous allez dire ça peut être assez cher pour des gants, mais en fait ils sont vraiment extrêmement costauds. Comme vous pouvez le voir, tout l'intérieur est renforcé jusqu'aux doigts. À l'extérieur, on a un renfort ici. Il monte assez haut, on peut voir là. Par rapport à des gants classiques qui s'arrêteraient ici. Donc l'hiver au moins on n'a pas de soucis avec des fuites. Et ben, honnêtement, depuis que je m'en sers, ils ont pas dégusté, hein. Ils ont juste un petit peu voilà sur le tissu pris avec les velcro, mais c'est tout, hein. Et du coup, franchement, ils sont excellents. Pour finir sur les protections, donc la tête est protégée, les yeux sont protégés, il manque la bouche, puisque j'ai pas envie d'avoir une dent cassée. Donc j'utilise les fameux masques Stalker. Donc celui-là aussi hein, acheté sur Airsoft, il me semble bien, pour 10-15 euros. Donc l'avantage de ces masques, c'est qu'ils sont assez faciles à enfiler. Donc on peut les tordre comme on veut pour bien épouser la forme du visage et surtout bien protéger la bouche. Donc avec la sangle en haut. Et une fois qu'ils sont mis, hop, avec la casquette, on a très peu de zones, en tout cas de face, à l'air libre. Éventuellement, juste là, une zone au front où je me suis d'ailleurs pris quelques billes. Mais en tout cas, les yeux, la bouche protégée, on peut jouer en CQB, on peut jouer où on veut, et c'est parfait. Donc pour la solution d'emport de la réplique, j'utilise une sangle 1 point, donc achetée une quinzaine d'euros chez Airsoft. Donc 1 point, bah, notamment parce que j'ai un petit modèle, un SMG, donc ça me permet de pouvoir épauler à droite et à gauche très simplement. Et surtout, ben voilà, hein, comme il y a une seule attache, je lâche, elle tient parfaitement, et je peux la remettre de suite en joue si j'ai envie. Et ça me permet de dégainer le PA très facilement. Alors, il faut que je vous montre quand même comment j'ai fait. Parce que ce gilet ne comporte pas de système d'insertion d'une sangle. J'ai dû ruser un peu et j'ai utilisé voilà, des petits anneaux faits en velcro. Hein. Donc, un côté pile, un côté face du velcro, roulé. Et ça fait des petites sangles comme ça. Tout derrière également. Ce qui me permet voilà, de pouvoir lâcher la réplique.
Et tout le poids est en fait tenu par le gilet sur les épaules. Et ça me fait pas un gros point, voilà, c'est pas un gros poids, c'est pas gênant. Et c'est idéal, hein, je peux mettre aussi bien un SMG8 qu'un G39. Mais bien sûr, ce système ne fonctionne que si j'ai la plaque dorsale. Donc en mode chest, je suis obligé de la sangle de travers, comme ça, de telle sorte à ce que donc je garde ma possibilité d'épauler rapidement la réplique. Mais si jamais je veux utiliser mon PA, soit je la lâche, soit je la prends, et un coup sec en arrière, toute la sangle va coulisser, se mettre derrière, et je peux sortir le PA et jouer normalement. Dans cette séquence, vous pouvez voir ma tenue en action dans des conditions réelles. Donc, comme vous pouvez le voir, le camouflage est très efficace. Au total, cette tenue m'aura coûté environ 450 euros, ce qui est plutôt un très bon prix compte tenu du fait que quasiment tout est issu du monde professionnel et militaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un j'aime. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. J'y répondrai sans aucun problème. Merci d'avoir regardé.